L'ordonnance de 45 a de tout temps tenté d'être toilettée. On s'est toujours considéré que cette ordonnance était fonctionnelle et qu'elle permettait justement le travail sur le terrain aux côtés des mineurs, aux côtés de l'éducation et non pas uniquement l'incarcération. Aujourd'hui, les temps ont changé et notre gouvernement, sans d'ailleurs avoir déposé cet amendement au Sénat, donc sans en avoir parlé au Sénat, ne respectant pas le jeu du Parlement, sans respect de ce Parlement, a déposé un amendement qui consiste à permettre au gouvernement de modifier cette ordonnance uniquement par décret. Et on le sait, la volonté de faire comparaître immédiatement les mineurs, je ne suis pas contre la justice en temps réel, à condition qu'on n'oublie pas quand même qu'il s'agit des mythes de mineurs et que l'on doit mettre en avant l'éducation, la prévention, avant d'arriver à une détention qui finalement est pire que tout, puisqu'ils y rencontrent d'autres délinquants et que la délinquance continue. On le sait, depuis des temps importants, on incarcère des mineurs et finalement on en incarcère toujours davantage et davantage. Donc ça ne sert à rien, il faut faire autre chose.